Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous allons découvrir ensemble de nouvelles choses dans la parole. Allez, pensez à prendre vos Bibles et allons ensemble voir ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui et maintenant. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Les merveilles de Jésus mon Seigneur, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Jamais, je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Jésus a beaucoup d'amis.
Pierre, Jacques, Jean, André, Barthélemy, Judas aussi. Mais il y a une famille qu'il aime particulièrement, c'est la famille de Marthe, Marie et Lazare. Mais, qu'est-ce qu'il a, Lazare? Tu te sens pas bien, Lazare? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, Lazare est vraiment malade. Il part se coucher. Oh ben ça fait rien, on va demander à Jésus de venir le guérir, parce que Jésus, il a déjà guéri des aveugles, des muets, des boiteux. Il va venir guérir Lazare. Mais Jésus est parti en voyage. Alors Marthe et Marie appellent un voisin et lui disent « Écoute, tu vas partir à la recherche de Jésus et tu vas lui dire que son ami Lazare est malade. » Et le voisin part. Il a marché de nombreuses heures, peut-être même un jour ou deux, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Jésus, et Jésus, c'est Marthe et Marie qui m'envoient. Ton ami Lazare est malade. Alors Jésus dit, oui, mais c'est pas une maladie qui mène à la mort. C'est bien, c'est juste une maladie qui va montrer comment Dieu est puissant. Et Jésus reste là encore 2 jours. Au bout de 2 jours, il dit à ses amis, « Bien, maintenant nous allons aller réveiller Lazare. »« Oh, ben s'il dort, il va être guéri. » »« Non, non. Non, Lazare est mort. Et on va y aller. » Quand Jésus arrive dans le village de Béthanie, il y a une foule de gens qui sont venus consoler Marthe, consoler Marie, parce que Lazare est mort depuis au moins 4 jours déjà. Alors Marthe se précipite hors de la maison à la rencontre de Jésus. Elle lui dit, Jésus, mais Jésus, pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là pour guérir Lazare? Maintenant, il est mort. Alors Jésus lui dit, mais Marthe, tu crois en moi? Oui, je sais bien que... à la fin des temps, tous les morts vont revivre, mais c'est aujourd'hui que Lazare est mort. Écoute, Marthe, je suis la vie. Est-ce que tu me crois? Alors Marthe appelle sa sœur Marie et elle lui dit, viens, viens, il y a Jésus qui est arrivé. Et Marie, c'est la même chose, elle dit à Jésus, mais pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là? Et quand Jésus voit ça, eh ben lui aussi, il pleure. Parce qu'il aime Marthe et parce qu'il aime Marie.
Alors il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Ben écoute, on l'a mis, tu sais, dans la grotte, là-bas, vers le cimetière, et puis on a mis une grosse pierre devant, et voilà. Alors Jésus et tous les gens qui sont là s'en vont vers cette grotte. Alors Jésus s'adresse à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est là quand même. Et il dit, Dieu, mon Père, je sais que tu me réponds toujours. Mais je dis ça pour tous ceux qui sont là autour, afin qu'ils croient en toi et qu'ils croient en moi. Et alors il se tourne vers la grotte et il dit, Lazare, sors! Alors Marc lui dit, mais c'est pas possible, il y a 4 jours qu'il est là-dedans, ça sent mauvais, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Lazare, sors! Alors, il y a quelques voisins qui ont poussé la pierre. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le mort, le Lazare qui était mort, il était là debout, enveloppé avec des tissus, des bandelettes, et qui marche! Alors Jésus dit, mais enlevez-lui tous ces tissus, enlevez-lui toutes ces bandelettes. Et quelle explosion de joie! Vous vous imaginez? Lazare était vivant, alors on a sauté dans les bras de Lazare, on a sauté dans les bras de Marthe, de Marie, de Jésus, on a fait une fête mais extraordinaire.
notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Car oui, je crois dans le nom.